quelques mots sur votre papa, René Pierre-Asquin, qui était Carolo, qui était un grand journaliste Carolo, un grand biographe de Charleroi. Mon père, effectivement, est un régent en langue germanique, mais qui n'a jamais enseigné qu'un an, qui était passionné par le journalisme et il a exercé pas mal de responsabilités dans le monde de la presse. Ouais. Il a été directeur général du journal Indépendance, notamment, tout en étant collaborateur pour le Hainaut de la dernière heure. Et il était chroniqueur à l'hebdomadaire, pourquoi pas, pendant une vingtaine d'années. Donc, c'était un homme très actif. Ce que je trouve curieux, c'est qu'en fait, l'Indépendance de Charleroi, c'était en fait le journal de la FGTB. Oui, tout à fait. Donc, c'était en fait des socialistes. La dernière heure était plutôt libérale, et le pourquoi pas était libéral, neutre, tapait un peu sur tout le monde. Je rappelle que jusque-là, il était en quelque sorte le rédacteur en chef du journal Indépendance, qui est racheté par les syndicats socialistes de Charleroi. Mais à ce moment-là, il est aussi en même temps chargé, j'allais dire, des relations financières et publicitaires du journal de Charleroi, qui va très mal. Nous sommes à la fin des années 60, il triple le chiffre d'affaires du journal de Charleroi. Mais ce que je trouvais amusant, c'est qu'en fait, votre père était de tendance socialiste, apparemment, oui. Et que vous devenez par après, en fait, un libéral, un PRL. Tout à fait. Mon père a été maltraité, comme il n'est pas possible, par les chefs syndicalistes socialistes de Charleroi, qui se sont comportés comme de véritables staliniens. Pourquoi ? De véritables crapules. Mais mon père gagnait beaucoup d'argent, il avait triplé, comme je le dis, le chiffre d'affaires. Et donc, à deux reprises, ils ont diminué son traitement. Et une troisième fois, ils l'ont mis simplement dehors pour une faute grave qui n'existait pas. C'est pour ça que vous êtes devenu libéral. Mon père est allé dans les tribunaux, d'ailleurs, et a gagné. Ils ont dû lui verser une solide indemnité. Nous sommes à ce moment-là aux environs de 1970-71. Moi qui m'étais inscrit aux étudiants socialistes de l'ULB en 62-63, quand j'étais étudiant, j'en avais été exclu pour individualisme. Donc, j'étais sans parti dans les années 60, plus ce qui arrive à mon père, je vous avouerai que ça m'a totalement guéri du socialisme. Et c'est dans ces circonstances-là, en 1971, que mon père dit « Mais j'ai l'impression qu'on veut m'empêcher d'écrire, donc je lance mon hebdomadaire, qui va s'appeler le Métropolitain, Métro, et dont je vais être l'éditorialiste sous un pseudonyme pendant plus de 10 ans. Et puis j'ai été élu recteur à l'Université libre de Bruxelles en 1982. Vous aviez 38 ans. 38-39 ans, je n'avais plus le temps. C'est jeune, hein, pour être recteur. Oui, très. Je n'avais plus le temps véritablement de faire les éditoriaux et en tout cas d'aller une fois par semaine à Charleroi. Et c'est dans ces circonstances-là que Métro a été vendu, cédé à ceux qui étaient en train de constituer un nouvel hebdomadaire qui s'appelait Le Vif. Et ce sont dans ces circonstances-là que, dans la région de Charleroi, j'ai dit, les premiers abonnés du Vif, ça a été en quelque sorte les lecteurs de Métro. Et c'est par Métro, donc comme éditorialiste. Qu'est-ce que je défendais comme ligne politique? En fait, une ligne politique de centre-gauche, fédéraliste. J'étais devenu fédéraliste quand j'étais étudiant à l'Université de Bruxelles. Je vais toujours rester. Dans les années 60, je me suis resté. Et c'est au travers de ces éditoriaux qu'un jour, quelqu'un qui ne me connaissait pas et qui aurait voulu savoir qui j'étais a demandé à me rencontrer François Perrin. Et c'est ainsi que j'ai participé à la création d'un parti qui a connu pas mal de succès par la suite, qui s'appelle le PRL, et qui au départ était le PRLW, Je rappelle que ces nouvelles structures se limitaient à la Wallonie. Maintenant, après votre père, dans l'histoire de la Wallonie fédérale, vous apparaissez de manière de plus en plus évidente, également en tant qu'historien. L'historien, c'est ma formation. Et à l'ULB, j'ai pris en main l'Institut d'études d'histoire du christianisme pour en faire un institut d'études des religions et de la laïcité que j'ai dirigé
pendant 20 ans, en mettant l'accent sur la diversité religieuse, en faisant donner des cours sur l'islam, le polythéisme ancien, le judaïsme, etc. Un deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé, la problématique des rapports entre l'État et les Églises. Comment, j'allais dire, créer un État impartial, en quelque sorte. Et un troisième aspect, qui s'est développé dès le début des années 70, c'est l'histoire de la Wallonie. Oui. J'ai 31 ans, j'enseigne déjà à l'Université de Bruxelles depuis 3-4 ans, quand une maison d'édition, la Renaissance de Livre, me demande, est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre sur la Wallonie? Et je dis oui. Et on se donne un rendez-vous, et en une heure, j'improvise un plan qui va faire deux volumes de 300-400 pages, qui est la première encyclopédie de la Wallonie, qui va paraître vers 73, 74, 75, qui va être épuisée, rééditée, etc. Puis qui aura... Moi, je m'intéresse essentiellement aux aspects économie, société, histoire politique, et alors la maison d'édition décidera de confier tout ce qui est art, culture. Il y aura 8 tomes, je crois, en tout. Il y aura 6 tomes, n'est-ce pas ? Il y aura 4 tomes supplémentaires consacrés essentiellement à l'art, à la culture, et c'est notamment Madame Lejeune, la mère de Jean-Maurice de Housse, et un historien médiéviste de l'Université de Liège, Jacques Stiennon, qui dirigeront plus spécifiquement cet aspect-là. À partir de quand êtes-vous entré dans la franc-maçonnerie ? Il n'y avait aucune tradition dans la famille, et j'ai été... ce sont des professeurs de l'Université de Bruxelles. Qui pas à l'ULB, forcément. Hein. Non, pas forcément, non. Ça ne veut rien dire. Ce sont des professeurs de l'ULB qui m'avaient repéré et qui... En 68, 69, mon parrainé en quelque sorte, et je suis entré en maçonnerie en janvier 1970. Vous dites que quelque part vous êtes agnostique. Oui. Quelle différence ça fait entre un agnostique, un athée? Vous dites que je ne suis pas athée, je suis agnostique. Ça m'a frappé. Écoutez, on ne peut pas faire la preuve que Dieu existe, on ne peut pas faire la preuve que Dieu n'existe pas. Je dis souvent, comme je l'expliquais à mes étudiants dans un cours de philosophie de l'histoire, à mes yeux, l'athée est aussi un croyant. On croit que Dieu n'existe pas ou on croit que Dieu existe. Donc, être agnostique, j'ai dit, c'est quelqu'un qui est dans le doute, qui se pose la question, qui n'a pas la réponse. Mais le problème de Dieu n'est pas quelque chose qui me turlupine. Je n'y pense pas. Ça ne fait pas partie de mes préoccupations. Donc, peut-être que j'ai un fond d'athéisme en moi, mais je ne dis pas que je suis athée pour les raisons que je viens d'expliquer. Ce qui est curieux, c'est que le mot laïque n'apparaît en fait nulle part dans la Constitution belge, je crois. Hein. Parce qu'il n'existait pas à l'époque. J'ai ici une édition originale du dictionnaire de Littré qui paraît dans les années 1870. Vous ne trouverez pas laïcité. Donc, la Constitution belge, je le rappelle, est écrite fin 1830, janvier 1831, donc il n'est pas anormal de ne pas y trouver une expression qui n'existait pas à l'époque. Un État neutre comme la Belgique va subsidier les églises. Mais ça résulte, vais-je dire, d'un accord qui est né au sein de l'État belge. Vous êtes pour ou pas ? Moi, ça ne me dérange pas. Je préférerais personnellement qu'on en arrive véritablement à la laïcité. À la française. Qu'est-ce qu'on constate ? Vous savez, j'ai été souvent invité à prendre la parole en France en 2005, puisqu'on fêtait les 100 ans de la loi de séparation. Mais je vous dirai qu'à l'époque, pas mal d'économistes, d'historiens, d'universitaires, ce n'était pas des politiques, estimaient, quand on faisait les comptes, que tout compte fait, le système belge n'était pas mal et que le système belge coûterait moins cher à la France. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que quand la France nationalise les églises, quelques temples, les archevêchés, elle les prend en charge. Il devient propriétaire. Ah oui. Il a les charges du propriétaire.
Faites le compte que ça représente pour l'ensemble de la France. 95% au moins des églises et des bâtiments religieux, catholiques, protestants ou juifs, qui sont en France aujourd'hui, sont propriétés de l'État depuis 1905. Mais pour ma part, je préférais, soyons clairs, que en Belgique, on part du principe que les cultes subviennent à leurs besoins. Monsieur Asquin, quelques mots sur le cumul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, je trouve que le cumul est devenu un faux débat, un mauvais débat. Pourquoi ? Populiste et démagogique. Expliquez. Mais généralement, on met dans le viseur l'homme ou la femme politique. Alors, je vais vous dire ceci, c'est prenons les parlementaires, l'idéal pour un président ou une présidente de parti, c'est de n'avoir affaire qu'à des députés professionnels. C'est clair. Pourquoi ? Mais vous devenez dépendant. Vous n'avez pas d'autres fonctions, vous n'avez pas d'autres revenus, vous devenez l'esclave de votre parti. Emmuré. Emmuré. Le chèque de fin de mois, quoi. Mais oui, parce que ça veut dire que votre avenir dépendra en partie, évidemment, du succès électoral, mais en partie aussi de la volonté ou pas de vos chefs de vous maintenir dans une place éligible. Donc il n'y a pas d'ouverture. Ben, voilà, si vous n'êtes que député, si vous n'exercez pas d'autres fonctions sur le côté, ben évidemment, vous ne serez pas un homme politique indépendant. Vous serez un homme politique exclusivement dépendant de votre président de parti. Moi, ce qui a assuré mon indépendance, c'est que j'étais aussi professeur d'université. J'ai continué à donner cours même quand j'étais ministre. Je n'étais plus payé comme un professeur temps plein. Ça, c'est clair. J'étais payé tout de même, mais j'avais un métier. Et le jour où j'avais un raté en politique, où je devais quitter la politique, j'avais un métier et je pouvais l'exercer. Ça me donnait une grande indépendance intellectuelle et donc une indépendance tout court. J'ai exercé aussi des mandats politiques parce que, prenons un exemple, parfois, automatiquement, quand vous exercez certaines fonctions, vous devez présider un certain nombre d'ASBL. Ce n'est pas des cumuls, c'est simplement l'exercice de la fonction. Gratuit ou pas ? Mais c'est gratuit tout ça. Moi, vous savez, à l'académie, j'étais secrétaire perpétuel de l'académie. J'avais un traitement comme secrétaire perpétuel de l'académie. Mais l'académie, c'est aussi 2-3 fondations, c'est 3 ou 4 SBL. Ben, c'est gratuit, mais moi, vous n'êtes pas rémunéré pour ça. C'est simplement pour faciliter la gestion de l'académie. Parce que si vous voulez aussi obtenir des subsides pour faire certaines choses, la loi belge est conçue de telle façon que si vous ne créez pas une SBL, vous n'êtes pas susceptible d'introduire une demande de subsidiation. C'est aussi simple que cela. Donc, vous pouvez être à la tête d'une institution, présider 6 ou 7 ASBL et fondations, mais ce n'est pas pour ça que vous touchez de l'argent. Je crois qu'il faut pouvoir limiter le montant total de l'argent touché par quelqu'un. Mais au niveau public. Au niveau public, bien sûr. Mais de là à empêcher le cumul de plusieurs mandats publics, ça devient de la démagogie absolue. Est-ce que c'est la moins mauvaise solution possible dans une démocratie qui ne fonctionne pas toujours très bien ? Mais écoutez, quel est le régime qui fonctionne bien ? Moi, j'en ai marre de tous ces discours, on veut faire des assemblées citoyennes. Oui. Écoutez, ça c'est une grande escroquerie intellectuelle. Vous prenons une commune, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Vous avez 10 quartiers, hein, vous avez 10 assemblées citoyennes. Et alors ? Qu'est-ce que les citoyens, les soi-disant assemblées citoyennes vont défendre ? D'abord ce qui les intéresse. Où est encore le sens de la collectivité ? Donc, moi, je me fais le défenseur des hommes politiques. Eux, au moins. Ils sont pas tous pourris, quoi. Mais il ne manquerait plus que ça, monsieur, vous les injuriez. Non, mais je pose la question. Hein? Parce que c'est une caricature qu'on entend souvent. Justement, ils ne sont pas tous pourris. Rares sont ceux qui sont pourris. Moi, je le maintiens, j'en ai l'expérience. Je me méfie plus parfois des fonctionnaires que des hommes politiques. Monsieur Asquin, quelques mots sur le fédéralisme. Écoutez, moi, ma vocation fédéraliste, elle est née dans les années 60,
quand j'étais étudiant à l'ULB, qu'il y avait la grande grève de 60-61, et que j'assistais au désastre économique en Wallonie, ça m'a beaucoup marqué. J'ai des étudiants à l'ULB. Je remarquais d'ailleurs que la plupart des étudiants bruxellois que je fréquentais, de même que la population bruxelloise, restaient parfaitement indifférents. S'en fichaient, quoi. Au sort. S'en fichaient. De ce qui se passait en Wallonie. Mmh. Moi, mon grand-père et ma grand-mère paternelle ont été mineurs, mmh. métallurgistes, mmh. briquetiers. Donc, j'ai tout de même vécu aussi dans les corons ouvriers quand j'allais les voir. Par exemple, à Montigny-sur-Sambre, donc ce sont des choses qui m'ont marqué beaucoup, et donc j'ai eu la conviction, effectivement, que il y avait des choses qui devaient être absolument changées, que voilà, il fallait modifier certaines structures de l'État belge. Deuxièmement, j'étais à Bruxelles au moment des premières grandes manifestations au début des années 60. Sur le thème Brussels Vlaams, par exemple, il y avait 100 000 Flamands dans les rues de Bruxelles. C'était les débats sur la frontière linguistique, sur les fourrons, etc. Et puis le Wallenbeuten de Louvain en 66, 67, 68. Donc j'ai acquis la conviction que, bon, le peuple belge, c'était de la foutaise, ça n'existait pas, qui avait des traditions, oui, mais qui avait tout de même des clivages à l'intérieur de la société belge, et qu'une façon d'organiser la coexistence et le vivre ensemble, c'était de décentraliser progressivement, et que le fédéralisme était à cet égard la voie qui me paraissait la plus pertinente, et je n'ai pas changé d'avis. J'ai écrit un livre sur la question d'ailleurs, la Belgique, est-ce qu'elle est ? Mais elle est très démocrate, la Belgique. Il y a, je trouve, un esprit citoyen qui est extrêmement grand. Parce que en 50 ans, la façon dont la Belgique a vu ses structures modifiées est exceptionnelle. Je rappelle que pas de révolution. C'est fait sans révolution, sans guerre civile. Non. Il n'y a pas eu d'assassinat. Non. Il n'y a rien eu de tout cela. Et donc, ça montre tout de même un grand sens de la responsabilité. Et que le monde politique belge, en accord avec ses citoyens, a tout de même acquis un art de la négociation et du compromis qui est extrêmement développé. Alors, est-ce que cela facilite toujours la gestion ? Non ! Mais est-ce que des coups de fusil, est-ce que des révolutions ne portent pas davantage préjudice ? Et de dégâts. À mon avis, oui. Donc voilà, la Belgique est encore appelée à évoluer. Deux nations ? Écoutez, il n'y a pas de nation francophone à mon avis. Il n'y a pas encore de nation wallonne non plus. Pas de nation. Il y a une nation flamande, ça c'est sûr. Donc, la rancœur flamande à l'égard de ce qu'ils ont appelé la marâtre belge francophone est réelle et elle a de bonnes raisons. Donc ça forge une unité de conception, ça forge véritablement, j'allais dire, une forme de nationalisme. En plus, la région se porte bien économiquement, c'est une des régions les plus riches de l'Union européenne, alors que du côté wallon, les choses ne s'améliorent pas. Depuis 40 ans ou 50 ans, c'est la déglingue. On a stabilisé du côté wallon, c'est clair, la chute vertigineuse que l'on a connue, mais on ne rattrape pas notre retard par rapport à la Flandre. Et l'un des grands points d'interrogation pour le futur, c'est qu'on sait bien qu'avec la sixième réforme de l'État, dans 4 ou 5 ans, les transferts financiers qui permettent à la Wallonie tout de même de se tirer d'affaires dans beaucoup de domaines, de même que la région de Bruxelles d'ailleurs, que ces transferts arriveront à leur terme, je pose la question, parce que c'est ça qui m'inquiète, on parle de beaucoup de choses en Wallonie. Quelles mesures a-t-on pris de caractère préventif en Wallonie pour parer le coup de l'échéance dans 4-5 ans quand les transferts financiers seront terminés. Bien, j'ai beau écouter, je n'entends rien dire. On fait encore la sourde oreille, comme si on ne savait pas. Ça veut dire que, je devine la situation, dans 5 ans,
les Wallons et les Bruxellois vont à nouveau mendier de l'argent, et la contrepartie, ce sera de continuer à déshabiller l'État national et à renforcer par conséquent, les demandes d'autonomie plus grande, voire d'indépendance de la Flandre. Mais ceci, c'est encore un processus, j'en suis convaincu, qui va durer quelques dizaines d'années.